Mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté d'aménager vos différents agendas. L'objet de notre rencontre d'aujourd'hui est tel que je me devais de vous réunir aussitôt que l'information m'est parvenue. Monsieur le préfet, le temps c'est de l'argent. Allez droit au but. Ah, toi le député, laisse le préfet s'expliquer d'abord. Tu feras le remarque après. Oh. Le secrétaire général, tu vois, moi je n'aime pas ta manière de me parler là. Hein. Et puis tu vas me faire quoi? Moi je n'aime pas cette manière de me parler. Mais nous ne sommes pas des enfants. Le préfet nous convoque et n'indique pas l'ordre du jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te taire. Mais monsieur le député, écoutez le préfet d'abord. Non. Vous allez faire vos remarques. Non. Qu'on m'écoute d'abord. Voilà, qu'on m'écoute d'abord. J'ai trop d'occupations pour qu'on me dérange pour n'importe quoi. Toi, c'est qui? Monsieur le député. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Je dirai vos propos. Madame le maire. Tout le monde a des occupations. Oui, vous avez raison, madame le maire. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Monsieur le préfet, vigilance. Soyez calme, voyons. Oh. On arrête de se faire remarquer. D'accord. Bien. Mesdames et messieurs, vous connaissez tous les problèmes de la région des Ivoapa. Ah, ça, monsieur le préfet, c'est vraiment un calvaire. Les rues non bitumées, aucun matériel médical pour l'hôpital, le lycée qu'on attend depuis des années. Et la jeunesse, l'espoir de la région laissé pour compte. Et patati, et patata, et gna gna gna, et gna gna gna. Monsieur le préfet. Oui. C'est pour des futilités comme ça que vous nous convoquez. Ah bon? Pourquoi dit des trucs pareils? Et pourquoi pas? Tous ici, nous sommes originaires des Ivoapa. Si nous ne parlons pas de nos problèmes, qui le fera à notre place? Ah, hein? Qui le fera? Vous voulez parler? Mais oui, on veut parler. Parler? Vous croyez que c'est parler, ouais, qu'on appelle parler? Ce qu'on appelle parler là, c'est ça. Écoutez, vous voulez prouver quoi? C'est ça là. Nous devons nous mettre ensemble pour travailler, pour participer au développement de notre région. Je savais. Dans cette région, dès que quelqu'un a un peu, alors on organise tout de suite quelque chose pour des cotisations. Écoutez-moi. Vous n'aurez pas un piquini. Pas un sou de moi. Regardez-moi des mendiants comme ça. Mesdames et messieurs, un peu de tenue, s'il vous plaît. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Madame le maire, vous avez raison. Oh, madame, je ne vous ai pas prêté de l'argent l'autre jour. Monsieur le député. On se connaît ici. Monsieur le député. N'oubliez pas que je représente le pouvoir central ici. Vous devez m'écouter. Excusez-moi, oui, monsieur le préfet. D'accord. Oh. J'ai évoqué quelques difficultés de la région parce que un grand jour s'annonce pour nous. Mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, j'ai l'honneur de vous informer que Son Excellence le Président de la République, le Président de la République effectuera très prochainement une visite dans notre région. Merci. Votre joie me va droit au cœur. Monsieur le Président, c'est là la preuve palpable que la visite que va effectuer Son Excellence, Monsieur le Président, dans notre région aura un succès. On met ça tout en œuvre. Monsieur le Préfet, vous pouvez compter sur la jeunesse. Ah oui, je compte sur vous. Nous comptons sur vous. Monsieur le Préfet. Excusez-moi. Comptez sur moi. Excusez-moi. Allô? Oui,
C'est lui-même. C'est le ministre. J'ai monsieur le ministre au bout du fil. C'est le ministre de l'Intérieur. Je suis là avec le président de la République. Oui, monsieur le ministre. Oui, nous sommes en réunion actuellement pour cela. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Non, non, non. Bon, d'accord, d'accord. Nous sommes actuellement en réunion. Ah. Non, 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 tout le monde est là. Hein. Le député, oui, c'est le secrétaire général, ah. Madame le maire, le représentant des jeunes gens aussi, merci. Et la représentante des femmes. Oui, tout le monde est mobilisé. Oh, oui. C'est n'est pas. Oui. Oh, oui. C'est vraiment une grande nouvelle. Je suis tellement heureux. Moi, je ne sais pas comment manifester ma joie. Oh, Dieu merci, Dieu merci. Dieu merci. Oh. Tout ceci, c'est grâce à moi. Hein? Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Cette visite est le résultat des efforts que j'effectue auprès du gouvernement depuis mon élection. Mensonge. Comment mensonge? Mensonge! Cette visite présidentielle, c'est la récompense du gouvernement aux vaillants militants que je représente ici. Ne mélange pas les torchons et les serviettes. Il s'agit d'une visite officielle du chef de l'État. Tu parles de terre. Tu ne sais pas ce que tu dis. Attends, attends, toi là. Tu parles de qui? Qui est serviette? Qui est torchon? Oh, assez! De paix des familles comme ça, vous ne pouvez pas vous réunir, ça vous quereller comme... Ma fille, non, ma fille. Non, non, ça, faut pas m'insulter. Ma fille. Non, ça, je suis pas d'accord. Je te dis, chez moi, quand les hommes discutent, la femme se tait. Ici, ce n'est pas un foyer. Et d'ailleurs, aucune femme n'a cette rien, c'est des hommes dans son foyer. Monsieur le secrétaire général, oui. Avec tout le respect que je vous dois, le temps où les femmes se taisent est révolu. Ce sont vos maris qui vous permettent de les commander. Tu m'entends? Voilà. Des femmes comme vous. Voilà. J'en ai connu plusieurs dans ma vie. Oh, monsieur le secrétaire général, les femmes que tu as connues dans ta vie, regarde-nous, c'est pas la même chose. Monsieur, vous étiez tous des hommes en face de moi. Je vous ai lamentablement battu par deux fois. Ce bouton de femme. Ce bouton de quoi? Alors, ça, c'est vrai. Moi. Ça. N'oublie pas que je suis un militant de première heure. Oh, 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 doyen, c'est bon. Il faut que je lui parle. Non, attends, la chanson est vieille. Ça, on connaît ça par cœur. Première heure, là, tu nous as tellement. Pardon. Il faut évoluer. Moi, évoluer. Oui. C'est moi, tu dis ça. Petit. Je sais que tu ne respectes pas ton père à la maison. Moi, fortuné. Impoli. Reste là. Voilà. Tu vas écouter tout à l'heure. Monsieur le président général. Reste là. Reste là. Je vais te poser. Non, mais je vais te poser. Non, mais je vais te poser. Reste là. Reste là. Impoli. Mais avec comment on peut évoluer. Maudit. Toi-même maudit. Qu'est-ce que tu te plaît? Qu'est-ce que tu te plaît? Qu'est-ce que tu te plaît? SIG, d'accord, SIG, tu es opposant. C'est pas possible. Tu es un opposant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est cette pareille? Hein? Moi qui croyais avoir affaire à des responsables. Messieurs, dames, je suspends la réunion. Oui. Et nous nous retrouverons plus tard pour mettre sur pied le comité d'organisation. Vous pouvez disposer. Vous êtes excusé, disposez. Excusez-moi, monsieur. Eh, toi, petit, là. Ne va pas loin, hein. Tu m'attends dehors. Tu m'attends dehors. Nous, ça suffit comme ça, hein. Trop, c'est trop. J'en ai mal. Oui, j'en ai mal. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu te rends compte? Le président arrive et tous ces vieux élus veulent tout confisquer. Le comité d'organisation, le discours d'accueil, le budget, les honneurs, tout. Ils veulent tout pour eux seuls. Mais quel est le problème? Tu ne vois pas? Tu ne vois pas qu'ils font tout pour être les seuls à profiter? Ces égoïstes! Écoute-moi bien. S'ils gèrent le budget, ils gardent le reliquat pour eux seuls. Ah bon? Oui! S'il dirige le comité d'organisation, il se positionne pour les futures batailles électorales. Ah bon? Oui! Et s'il prononce le discours avec les doléances de la population, c'est sûr qu'il deviendra ministre. Ah bon? Oui. Ah bon? Ah bon, ah bon, tu n'as que ce mot à la bouche.
sais, cette visite présidentielle, les palabres des politiciens, les conflits d'autorité, je ne suis pas dedans. Quoi? Je ne suis pas dedans. Le président arrive, accompagné de tout le gouvernement. C'est une occasion en or pour bien se faire voir, pour être appelé à de hautes fonctions. Et tu dis que tu n'es pas dedans. Tu es folle. Merci. Non. Tu es un opposant. Ah bon? Oui. Madame le maire. Bonjour, madame le maire. Ah, Akoué. Oui. Madame le maire, le président sera dans notre région. C'est pas vrai? Je rêve ou quoi? Pourtant, c'est une réalité. Bravo, madame le maire. Merci, Akoué. Mes félicitations. Merci. C'est un grand honneur pour vous. Merci, Akoué. Mais il faut se mettre immédiatement au travail. Il n'y a pas de temps à perdre. Madame le maire, on commence par quoi? Par quelque chose. L'essentiel, c'est de commencer. Les bâtiments publics, les rues, les femmes, les arbres, les jeunes, les fonctionnaires, les sans-emploi, on doit tout mettre en œuvre. Parce que le président doit trouver une ville très propre. Bon, pour cela, madame le maire, vous pouvez compter sur moi. Ok, Akoué. À la prochaine. Hein. Ok, merci bien, madame le maire. Madame le maire. Ah, Delta. Bonjour. Bonjour, tu n'étais pas à la réunion, toi? Vraiment, mes félicitations. En ville, tout le monde n'en fait que parler de vous. Si le président arrive chez nous ici-là, c'est grâce à votre dynamisme. C'est ça qu'on appelle femme. Les hommes-là, ils sont là, ils ne peuvent rien faire. En tout cas, nous sommes avec vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, pour le moment, il faut rassembler les femmes, il faut essayer de les sensibiliser. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On verra la suite. On verra la suite. Oui. Je peux venir chez vous quand? Ce soir, je n'ai pas le temps. Dans deux jours. Dans deux jours? Dans deux jours, j'aurai une réunion avec les femmes. Ah bon? Je vais réunir certaines personnes et puis on va venir. En tout cas, vous pouvez compter, non. Ces hommes, ces fonds font députer avec le secrétaire général là. Ça, tu vas les tamer le pion comme d'habitude. Au revoir, madame le maire. Bonne journée. Au revoir. Oui. Monsieur le député. Mon cher ami. Oui. Merci d'être venu aussi rapidement. Oh, vous savez, oui. Dans la recherche de l'information, il faut être rapide et efficace. N'est-ce pas? Bon, voilà, assieds-toi. Non, monsieur, ça va, ça va. Ah bon, ça va, oui. Mon cher ami, tu sais... Oui. Le président doit effectuer une visite d'État dans notre région. Bien sûr. C'est actuellement le branle-bas dans toutes les rédactions pour couvrir l'événement. Mais c'est aussi la même chose chez nous autres hommes politiques. C'est-à-dire, comment faire pour tirer bénéfice de cette visite? Et encore un bénéfice politique. Mais c'est une petite affaire, monsieur le député. Ah bon? Oui. D'abord... Nous allons procéder par une série d'articles dans la presse écrite. Avec des photos de moi? Bien sûr. Très bien. Et ensuite? Ensuite, oui. Pendant 10 jours, il y aura une série d'émissions télé sur la région. Avec des images de moi? Bien sûr. Moi, le député à la télé pendant 10 jours. Oh, mais mon ami, c'est formidable. C'est formidable. Sans compter, monsieur le député, oui, qu'il y aura des interviews chaque matin à la radio. Des interviews de moi? De vous. De moi? De vous. Bien. Donc, non. On se verra. Et lorsque j'ai dit qu'on se verra, tu sais ce que ça veut dire? Je sais ce que ça veut dire. Bon, alors. Ok. Au revoir, monsieur le député. Je suis monsieur le député. La fille, c'est là. Ah, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, tu viens d'arriver là-bas. Le secrétaire général. Nous les militants de première heure. En tout cas, moi je viens d'arriver dans la politique. Mais moi aussi je suis militant de première heure. Lui là, j'ai lui dit deux petits mots, il va m'entendre. En tout cas, je te fais confiance.
Monsieur le secrétaire général, oui. Mettons-nous ensemble pour tout organiser. Comme ça, ces jaloux-là, on verra ce qu'ils vont faire. Ce que tu voulais, ma fille, le secrétaire général de tous les secrétaires, il m'a envoyé un papier me demandant d'organiser la visite du président. Il faut que ça réussisse. Ah, ici, là, c'est pas toi. Qui va faire ça encore? Tout le monde compte sur toi. Moi-même, tu me vois là, je compte sur toi. Voilà. Et je sais que c'est toi qui as tout fait. Il faut passer à la maison, je vais te confier des responsabilités. Ah, ici, merci. Ma fille, oui. La vie. Assieds-toi. Alors, ah, le président. Vas-tu montrer, cher secrétaire général? Qui est ton secrétaire général? Tu me connais? C'est pas toi qui m'as fait des histoires à la réunion du préfet? Hein? Toi là, ton malin que tu fais là, ça va s'arrêter. Toi, tu n'es rien. Tu n'as rien et tu aimes te faire voir. Hein? C'est pour toi. Regarde. Regarde-moi ici. C'est madame le ministre des femmes qui m'a envoyé ça. Regarde ça. Ça, c'est mensonge. Ça, c'est quoi ça? Ça là. Ça, c'est zéro ça. Ça, ce n'est rien ça. Moi, le secrétaire général. Toi. De tous les secrétaires. Me demande de tout faire pour réussir la visite du président. Je t'ai pas dit ça, ma fille. Toi, comme ça, qui te connaît? Voilà le papier. Je t'ai pas dit ça. Voilà le papier. Voilà le papier. D'ici. Hé! Hey. Mon papier! Mange! C'est mon papier officiel! Avale! Comme... Avale! Laisse-la! Laisse-la! Dame, je la supporte! Ma fille, viens! Ma fille, viens! Ma fille, viens! Faut pas l'étrangler! Laisse-la! Avale! Mange! Avale! Mon papier! Je suis toujours derrière toi! Comme un seul homme! Ne la tue pas! Ne la tue pas! Laisse-la! Ça va maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Mon papier! Papier, ça fait quoi? C'est mon papier officiel! Voilà! Assois-toi! Elle a bouffé, fais ce que tu veux! Assois-toi, on verra! Oui! Tu vas aller où? Attends, tu vas aller où? Tu vas aller où? Toi. Ma fille. Hein? Laisse. Prends le téléphone. Laisse. Non. M'attendre au bord de la lagune, tu es allé de l'autre côté avant, non? Toi, tu as passé, je t'ai pas vu. Bon, on ne peut pas changer. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, oui. Bonjour. Je peux voir le chef du village, s'il vous plaît? Le chef? Oh, oui. Oui, il est là. Viens, à quoi appeler le chef? Donc, il arrive. Ah, ouais. Ça, c'est la pêche, ça. Mm-hmm. Ça donne dans ce temps-ci. Ça donne même. Mais si tu recommences le coup là encore, là, je vais te porter mes. Ah bon? Elle pêche maintenant avec vous? Non, non, ça c'est entre nous-mêmes. Ah, ouais. Mais le filet n'est pas mal, hein? Ah, nous, c'est notre diplôme, ça. Ah, ouais. Ah, là, si ça donne, c'est bon. Comme ça, on non, plus il pleut maintenant, ça donne. Ah, le chef est là. Ah, voici le chef. Ah, bon arrivé. Bonjour, le chef. Il dormait un peu. Ah, avec la fatigue. Oh, oui, oui. Écoute, envoie du chef. Ah ouais, je suis l'envoyé du maire. Ah, eh. Oh ouais. Il est là. Oh ouais. Elle va bien, elle vous salue même. Ah bon, dis-moi. Je me suis tombé, il y a cru que c'était l'autre là. Oh, j'ai oublié que c'est femme maintenant. Ah. Mais chef, donc, je veux que tu me fasses. Eh. Bon. Bon, parlons, il faut demander une nouvelle. À mon petit là. Chef. Ouais. C'est pour réussir la visite du président dans notre région que le maire m'envoie. Le maire, ouais, il faut qu'il y ait la participation de tous. Maire, as-tu pensé à moi? Ouais. Mon fils, les habitants de ce village sont tous motivés. Ils viendront ce jour-là avec les plus gros pains traditionnels. Oui. Sache-tu le jour. Non, chef, les plus beaux pains traditionnels, c'est bien. Mais c'est pas ça seulement. Pour accueillir la délégation du président, il faut plus. Ah bon? Ah oui. Ton village doit fournir 100 sacs de riz. Mmh. Oui, 900 régimes de bananes plantain. Voilà. Voilà. 3000 tubercules d'igname et de manioc. Pour la sauce. Ah oui. Il faut 1400 moutons. Ouais. 600 bœufs. 500 poulets. 800 canards de riz. Ah oh, oui. 700 biches et 200 coignets.
Hé, hey, mon fils, c'est à nous pour le paysan de fournir tout ça. Mais bien sûr, le succès de ce pays repose sur les paysans, n'est-ce pas? Mon fils, au village, mais ça va pas où? Mais chef, moi je ne te comprends pas. Le président te fait l'honneur de venir dans ta région et tu es incapable de lui offrir un simple petit repas. Hé, hey, 100 sacs de riz, 400 moutons, 1400 moutons, 600 bœufs. Ouais. C'est ça qui est petit repas. Oh non, mais chef, en tout cas, si tu refuses, là-bas, on ne sera pas content de toi. De... Là-bas où? Là-bas. Oh. Dans tous les cas. Mais ça là, vraiment. Bon, dans tous les cas, chef, moi je reviens dans une semaine avec des camions pour ramasser tout ça. Toi? Ouais. Au revoir, chef. Mon fils. Ouais, ouais. C'est dans une semaine à l'arrivée du président. D'accord. Donc je viens les ramasser. Voyez. Yeah. Chef, le grand type qui va là-bas, Kouta, il dit quoi même? Ah! Redi, hein? Ce qu'il a dit là, c'est grave. Il dit, le chef de l'État va venir ici. Chez nous ici là. Voilà. On n'a qu'à donner 1400 moutons. Hein? 200 sacs de riz. Oui! Donc, nous on mange plus dans ce village-là. Ah bon? Même à Goudimé, il a demandé. Hein? On peut pas dire. Moi, je connais même pas le nom. C'est pas grave, ça. De toute façon, tu es le chef. Hein? Ah oui? Quand il va arriver, on va pas demander après Guédé. On va dire où est le chef du village. Mais, donc, faut penser à tout ça. Là. Mais moi, je commande les hommes ici. Ah, mais eux aussi, ils te commandent. Donc pense à ça. Ah bon. Oui. Hé, hey, ma chère, il paraît qu'il y a une uniforme. Hein. Ah, moi, je n'ai pas d'argent de... Pourquoi? Oui. L'arrivée du président? Oui. Moi, je n'en ai pas. Hey, je n'ai rien. Delta, mais qu'est-ce que tu as pressé comme ça? Où tu vas? Hey, bonjour, ma soeur. Est-ce que j'ai le temps? Madame Lebert a besoin de moi. Depuis qu'on a dit que le président doit arriver chez nous, c'est moi qui m'occupe de tout. Là où tu me vois là, je n'ai pas le temps. Je vais voir Madame le maire, ensuite j'irai voir le député, ensuite je vais voir le préfet, tout ça. Je n'ai pas le temps. Enfin, au revoir. Attendez. J'aurai besoin de vous. Encore. Voilà, pour l'organisation. J'aurai besoin de vous. N'allez pas loin. Je passerai chez toi là-bas le soir. Non, non, non. Madame, bisous. J'ai salué ton mari. Dis-lui que je passerai le voir. Mais bisous. Qu'est-ce que la jeune ne la comprend pas? Celle-là. Tu ne la connais pas, hein? Dans le village, là, elle est dans toutes les sauces. Et surtout qu'on a dit que le président arrive là. Là, on ne peut même plus l'attraper. Elle cherche à marcher avec les grands. Et puis ces grands-là, s'ils ne font pas attention là, celle-là que tu vois bien comme ça là, c'est elle qui va être présidente du comité d'organisation devant leurs yeux. Mon cher, il faut laisser. Chacun a son problème dans le village là. De toute façon, il m'énerve. Nous connaissons tous la nouvelle. Le président de la République effectuera bientôt une visite officielle dans la région de Zigopa. C'est pour ça que je t'ai appelé. Nous devons nous unir. Les hommes n'ont aucun respect pour les femmes. À chaque fois qu'il y a une manifestation, ils nous écartent. Il faut que cette discrimination s'arrête. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Nous, les femmes, nous faisons beaucoup de choses. On ne doit plus se laisser faire. Comme nous sommes d'accord, nous allons partager les responsabilités. Bien sûr, comme toi tu es Madame le maire, moi je serai Madame la présidente du comité d'organisation. Quoi? Et pourquoi? Comme ça dans mon discours, je parlerai bien de toi. Mais ma chérie, tu rêves. C'est toi comme ça qui va présider le comité d'organisation. Ah bon? Et prononcer un discours devant Monsieur le président de la République. Tu t'es bien regardé? En bas, comment je suis? Comment je suis? Toi, une égoïste. On sait comment tu es devenue mère. Sors de chez moi. Ingrate. Oh. Je t'appelle chez moi pour te donner une place dans mon comité d'organisation et tu vas tout prendre. Dehors. On se verra. Dehors. On se verra. Tu oses te comparer à moi. On se verra. Oh, vraiment, c'est pas possible. Hé, hey, où sont parties les filles là? Maya! Papa! Alors, ça veut dire quoi ça? Viens là! Envoie le manioc à la machine. Vous ne faites rien à la maison ici.
Alors. Agua, viens me charger. Vous êtes des milliers que je n'ai eu à la maison et vous ne faites rien. Ça veut dire quoi ça? Manger, coucher. Chef, on dit quoi ici? J'ai appris que le maire a envoyé quelqu'un ici pour exiger plein de choses. Hein, c'est ça? Oui. Mais c'est faux. C'est du vol. Bon. J'ai dit, désormais, il faut que tu saches ce que tu dois faire. Tu m'entends? Oui, monsieur le secrétaire. Monsieur le secrétaire, d'ici je n'envoie pas ça, il va m'envoyer en haut là-bas. Où? Qui lui a dit ça? Mais c'est faux! Personne, je t'ai dit, n'a demandé au maire de s'occuper de l'organisation de cette visite. Ce n'est pas son affaire. La visite du président, cette affaire ne concerne que nous, les militants. Moi particulièrement. Monsieur le secrétaire général. J'ai souffert. Seul. Pendant des années. Pour le bien-être de cette population. Et au moment où le gouvernement, reconnaissant, vient saluer mon ardeur militante, vraiment, ma fidélité exemplaire, voilà qu'un pequeno vient mettre du sable dans mon intégrité. Pas question. Aéro. Pas question. Tu m'entends? Pas question. Chef, l'homme là il dit quoi? Ah, il dit l'homme qui est venu ici là il a menti. Ouais, l'homme qui est venu toujours il a menti. Ouais, mais Pekno là c'est quoi? Il dit Pekno, mais je comprends pas. Moi je connais même pas Pekno là. Ah, chef, les hommes qui quittent là-bas là, vraiment, les Français sont trop gros. Pekno, Pekno là il... Bon. Chef, il va à la pêche. Ah, ce soir. Ouais. Pekno. La vie du président même, mon cher. Vraiment, c'est pas possible. J'ai dit que cette rue doit être nettoyée. Et alors, qu'est-ce que vous attendez? Lui. Non, je ne vais rien entendre. Celui qui veut dormir au service ira dormir chez lui. Akoé. Bonjour madame le maire. Toi au moins tu réussis ce que tu as à faire. Oui. Avec moi, aucun problème madame le maire. J'ai visité les 35 villages. J'ai convaincu tous les chefs du village. Ils participeront tous à la fête. Une participation en nature, j'espère. Oui madame le maire. Ils doivent démontrer leur attachement au président de la République. Donner des cadeaux pour exprimer leur joie de le recevoir. Oui, non, avec moi, il n'y a toujours pas de problème. Ils donneront les repas, le riz, légumes, sauce, tout. Yeah, c'est du bon boulot. J'espère que... J'ai dit aux adjoints, aux conseillers et autres, que paresseux et inconscients, qu'à Akoué, on peut confier du boulot. Avec Akoué, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas de problème, madame le maire. Excuse-moi. Hein. Allô? Ah, oui, monsieur le préfet. Oui. C'est du vol. On m'apprend que des individus passent de village en village pour exiger des cotisations. Ah non. Non, 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 monsieur. Non, 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 monsieur le préfet. Non, il n'y a personne dans les services de la mairie qui peut faire ça. Tout le monde est honnête. Je vous crois. Oui, oui, bonne journée, monsieur le préfet. Ah, les jaloux. Ils vont me calomnier chez le préfet. Mais je ne me laisserai pas faire. Ça, c'est vrai. Mais Akoué, qu'est-ce qui se passe? Le préfet vient de m'apprendre que les gens passent de village en village pour escroquer les villageois. Moi, je veux travailler dans la transparence.
Faut pas faire comme les autres qui attendent l'arrivée du président pour escroquer leur propre population, pour exiger de l'argent, quoi que ce soit. Dans la région des Ivoipas, c'est l'honnêteté qui prime. Non, madame le maire, vous pouvez compter sur moi. Nous, on ne fait pas ça. Vous pouvez compter sur nous. Non. Une participation n'est pas une obligation. Il ne faut pas obliger les villageois à cotiser. Non. Ils doivent participer. Non. Madame le maire, avec moi, tout est clair. Ok. Si tout est clair, il faut que nous soyons clairs. Jusqu'à la fin. Non, mais madame le maire, vous pouvez compter sur moi. Moi, je suis très clair. Il ne faut pas faire comme les gens des autres régions qui profitent de l'arrivée du président pour escroquer leur propre population. Moi, je ne suis pas comme ça. Non. Ok. Non, on ne peut pas faire ça. Moi, je suis prêt là-dessus. J'ai des gens à recevoir. Mais moi, je ne comprends pas, madame le maire. Transparence, transparence. Mais dis donc, moi, business, je vais sortir zéro dans l'affaire. Mais je ne comprends pas. Le président ne vient jamais deux fois dans la région. J'ai fait campagne, j'ai fait politique. Moi, je ne travaille pas à la mairie. C'est dans ça, moi, je peux manger. Ah, je vais faire et puis je ne vais rien gagner dedans. Mais ça, là, c'est à qui si Wara qui est venu dire sa mère, là. Mais elle et moi, elle va voir. Moi, pour mon business, je vais sortir zéro. C'est pas possible. Votre chère Delta, nouvelle. Ah, madame, la nouvelle, vous la connaissez. Je suis là, à votre disposition. Merci, c'est gentil. Madame, ne dormez pas, hein, parce que j'ai l'impression que ça, vous dormez. Non, non, je travaille, je travaille. Ah non, 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 je parle de l'arrivée du président, là, parce que là, là, le député a besoin de moi. Il m'a fait appel, je suis parti. Encore, monsieur le député, lui, il veut toujours acheter les gens avec son argent. Mais c'est pas que son argent, ça ne peut pas m'acheter, moi. Mais là, il blague. Il achète tout le monde, mais là, en ce moment, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin de gens, on a besoin des bras pour travailler. Il pense qu'aujourd'hui, moi, son argent peut m'acheter. Mais moi, son argent ne peut pas m'acheter. Hein? Je ne vous dis pas, oh! Le secrétaire général, lui-même, c'est la poisse. Si frais, il n'a pas. La colonne vertébrale est rouillée. Avec ce métier, moi, je vais lui donner un coup de main. Pourquoi je vais lui donner un coup de main? Je vais gagner un coup de main. Je ne vous dis pas. Madame la présidente des femmes, cette femme-là. Mais je viens de la renvoyer. Ah, tu as bien fait. Elle est mauvaise, la dame-là. Ah, tu sais ce qu'elle est en train de manigancer? Non. D'ici deux ans, elle veut se présenter comme mère. C'est rien, ça. Quoi, c'est rien? Si j'arrive à battre les hommes, c'est pas une femme qui va battre. Ça, c'est les hommes que vous avez battus, mais elle est les femmes comme vous. Mais et la différence, c'est que vous êtes belle. C'est là le problème, mais c'est pas ça. Faites attention. Madame, ne présentez pas à ces choses-là. Parce que la femme, elle est puissante aussi. Elle a des gens derrière elle. C'est rien. Mais vous m'avez moi. Bon, écoute, madame, je vais demander à partir. Oui. Parce que, bon, là, j'ai beaucoup de choses à faire. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je voudrais que vous vous occupez de la restauration et l'hébergement. Ah, ça, oui. Parce que déjà, j'ai essayé de rencontrer les responsables des hôtels. Ouais. Il faut que les gens soient bien logés. Vous pouvez compter sur moi. C'est très délicat. Vous pouvez compter sur moi. Si c'est pour ça, vraiment, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est tout? C'est tout. C'est tout? Oui. Ah bon, d'accord. Eh, madame, je voulais voir. La petite fille qui a le nez fleur, là. Ma petite nièce, elle est très belle. Vous allez elle vous a été occuper mise de son tout école. Ça, Delta. Ok. Vous occupez de merci beaucoup. Ah bon. Au revoir, madame le maire. Passez par là. Ah, attendez, madame le maire. Oui. Ouais. 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 Ça fait de bé. Ya Joe. Ouais. Bébé. Ouais. Ouais. Bah, il gagne. Et moi, Tania. Bébé. Et moi, quoi, tu m'as fait bon, ni bah, y'a rien. Yay. Ouais. Alors
J'ai compris. Oui. Quand moi je commence le travail là, personne ne peut m'arrêter dès. Je connais. Tu as vu pluie qui tombe là? Oui, je sais. Je les ai appelés depuis le matin. C'est pas un travail facile. Mmh. C'est pas un travail facile, madame. Mmh. Quand il pleut comme ça là, tous ils sont là. Mmh. Si tu es venu me voir, madame, mmh, il faut penser que. Mmh. Tu vas pas penser que. Mmh. Après, tu vas penser encore venir me dire, madame, mmh, j'ai pensé, c'est pas bon. Mmh. On pense pas beaucoup chez moi. Mmh. Si je fais là, on retire plus. C'est bon? Mmh. Mmh. Oui. Tu dis, femme, là, t'as fait quoi? Je veux que tu honnisses madame le maire. Hein? Quand le président sera là. Hein? Mmh. Devant monsieur le président, là. Oui. Mon travail, il ne recule pas de madame. Mmh. Moi, mais il connaît. Si elle arrive devant les gens, c'est comme si il a pissé sur lui. Oui. Tout le monde va la regarder comme ça. Fio! Mmh. C'est ça même, je veux. Voilà. Oui. Je ne demande pas beaucoup, madame. Mmh. Poulet, là, tu as envoyé. J'ai envoyé. Tu as laissé ça en bas, là-bas. Oui. Voilà. Tu as demandé les deux Benoît, là. Oh! Wow, wow, wow. Hey, tu as envoyé Benoît là? Oui. Tu as envoyé? Oui. Madame, ton travail là, ça a réussi. Plus là même, c'est bénédiction. Je ne travaille pas pour laisser. Pense encore. Oui. Femme là, il va gagner de honte même, beaucoup de honte. Hey. Quand il va arriver devant le public, ah, tout oui, le monde va en y. Il va en y, 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 va en y. Si femme là même, moyen parler devant le président va dire non, madame, je ne coupe plus toi. C'est son place, tu veux? Hey, c'est ça, évidemment. C'est place de femme là, tu veux? Oui. Tu as gagné? Oui. Voilà ça. Plus là, c'est bénédiction pour toi, madame. Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai compris. Edobé, Edobé, Asafunio, Amadiasso, Bassonao. Eh, faut pas debout dessus. Prends sac là, prends vite sac là. Faut pas gâter le travail là. D'accord. Bénédiction pour toi. Non. Il va gagner honte. Eh, on va manger. Il va marcher comme ça. Chocolat, 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 chocolat. Chez Dobé, on travaille pas deux fois. Ouais, 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 n'y a qu'un pas. Biboué, n'y a qu'un pas. Wow, 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 wow. Yes. Ouais. Hey, madame la représentante des femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous venez d'un carnaval ou quoi? Tu crois que ce que tu fais là, je ne suis pas au courant? Hein? Benoît, que tu es attaché derrière la cour de tes parents là. En tout cas, si quelque chose m'arrive, c'est bien toi. Mais qu'est-ce que vous voulez enseigner? Ce que je vais enseigner, tu sauras. Oh. Mais qu'est-ce que tu lui prends celle-là? Voilà, ça commence. Oh, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, papa. Papa, papa. Hey, alors. Delta, ça va? Oui, ça va quand même. Ça fait trois jours que moi je suis dans ce village, et alors c'est maintenant que tu viens me voir? Enfin, bonne arrivée. Nous autres, depuis que la campagne est finie, on te voit plus. Oh pas. Non, ouais. Tu sais, on a trop de choses à faire à la capitale. Hein? Ça va? Mm-hmm. Si je n'étais pas à cause de l'arrivée du président, on ne peut pas vous voir quoi. Ah, toi aussi. Tu sais, le président doit venir. Il faut quand même que j'ai une petite maison dans le village. Hein? J'ai dit toi au moins, tu as une maison chez toi. Il y a des gens que je connais là, ils n'ont même pas un toit, c'est la grande gueule seulement. Non, c'est l'argent.
C'est de l'argent. Quand on a l'argent, en un mois, on peut sortir des trucs comme ça de terre. Ouais, ouais, c'est bien, mes félicitations. Ouais, de rien. Ça va? Oui, on dit. Alors, nouvelle? Non, il n'y a rien. Hein? Comme tu le sais, il y a le président qui arrive. Alors, tout le monde s'organise. Alors, je suis venue te voir. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Bon, ce que je dis, ce que je propose. Tu passes me voir ce soir, parce que actuellement, là, d'ici, je vais voir le chef du village. Tu passes me voir ce soir comment? Parce que même on n'a pas le temps. Non, attends, je vais aller voir le chef du village. Uh-huh. Après, on va se voir ce soir et puis bon, nous allons quand même essayer de mettre une organisation en place. De toute façon, uh-huh, quand le président sera là, moi, je serai le président d'organisation, du comité d'organisation. Uh-huh. Et à partir de ce moment, bon, tu seras dans mon staff. Uh-huh. Hein? Tu parles, où tu mets madame le maire? Celle que tu as cautionnée et puis elle est devenue quelqu'un là. Où tu la places? La petite là. Elle a sorti l'argent n'importe comment dans 2 ans là. Elle vient de. Elle a l'argent. Elle a l'argent, je te dis. Elle a tout le grand truc du pays à ses pieds. Elle n'était rien ici, on la connaît ici. C'est toi qui l'as cautionnée et puis elle est devenue quelqu'un aujourd'hui. Elle insulte tout le monde, elle parle mal aux gens. Moi je vais la frapper. Elle connaît des gens à la capitale. Comment elle connaît pas les gens à la capitale? Mais si elle est mère, c'est qu'elle connaît les gens de la capitale, il y a les gens qui l'ont cautionné, il y a les gens qui l'ont financé pour qu'elle soit comme ça. Et elle veut ma place. Elle veut ta place. Bon, Delta, ce que je te dis là, mm-hmm, nous allons tout faire pour se revoir ce soir. Attends. Je quitte chez le chef du village. C'est pas tout, hein. Oui. Le vieux là, le secrétaire général, faut faire attention. Parce que son père, il n'est pas bon, il est là. C'est un sorcier. Est-ce que celui-là veut te tuer? Moi, me tuer? Mais moi, j'ai l'argent. Moi-même, il m'a dit qu'il va te descendre, il va te tuer. Il attend de préparer son neveu comme ça pour être député. Mais c'est pas ça, moi je te dis, hein. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Comme ce que je te dis là. Ce soir, je t'en prie, fais tout. Il faut qu'on se voit. Parce que ça devient très sérieux là. Il faut qu'on se voit. Et je sais que tu es dynamique. Et tu peux arranger tout ça pour moi. Ah. Hein? C'est pas compté sur moi. Non. J'ai dit pendant la campagne là, que j'ai fait pour toi. Je connais ta valeur. Et puis le chef du village, il faut faire très attention. Parce qu'il est comme ça, c'est un roublard qui est là. Donc quand tu lui parles, il faut savoir lui parler. C'est moi qui vis ici, j'en sais quelque chose. Fais attention à toi. Je vais lui donner beaucoup d'argent. Je vais détourner sa tête là, tu vas voir. Mais ne m'oublie pas, hein. Non, je ne t'oublie pas. Ce soir, on se voit, non? À ce soir. Ouais, d'accord. Tu as bien dit ce soir. Ce soir. Okay. Voilà. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Tu es la femme du chef? Non, je suis sa fille. Ah, tu es la fille du chef? Oui. Tu es mariée? Non. Ah bon? Et chef, où il est? Et il est sous l'engagement, je vais l'appeler. Tu n'es pas mariée? Non. On verra ça après. Ah, voilà. Hey. Chef, bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Mon vieux, tu as une belle fille. Hein? Ça, c'est ma troisième. La troisième? Ouais. Ah, bon. Chef, ça va? Ouais, ça va un peu. Bon, je suis venu te voir. Ouais. Les hommes là, ils n'aiment pas s'asseoir où? Voici ma participation pour la visite du président. La visite du président? 500 000 francs. Ah bon? Oui. Non, c'est pas tout. Et mon fils. Ouais. Là pour la visite, hein. 500 000 francs pour la visite. Et 10 000, 20, 30, 40 000 francs pour ton bandit. Mon bandit. Ouais. Mon fils, je te remercie. Non, c'est rien. Non, c'est rien. Quand les autres là viennent, c'est pour venir prendre. Au moins, toi, tu m'envoies. Non, chef. 40 000 francs pour le banquier. Oui, tu vois, je peux faire même plus. Mm-hmm. Tu as compris? Mm-hmm. Je peux faire plus. Mm-hmm. Les autres, là, ouais, quand ils vont venir... Mais ils sont déjà venus ici même. Ils sont déjà venus. Ouais. Bon, ne les écoute pas. Bon. D'ailleurs, ils n'ont pas d'argent. Et celui qui n'a pas d'argent est un menteur. Mm-hmm. Ah bon? C'est ce que nous allons voir. Ça veut dire quoi, ça? Tu as une petite femme comme ça, parce que tu es mère. Tu veux être la présidente du comité d'organisation. Mais nous, c'est pas possible. Ah bon? Moi, je suis un militant de première heure. Et quand la présidente... Ah, bonjour. Ma vie. J'allais chez toi comme ça. Ah bon, il y a plein de choses qui m'énervent. Ah, faut te calmer. On dit quoi? Est-ce que tu sais ce qui se passe même? Non.
On dit quoi? Parle-moi, je suis le seul. Attends, c'est ce que je viens de voir. Quoi? Le député chez le chef du village. Hein? Si tu vois ce qu'il est en train de faire là-bas. Où il est? Il est là-bas actuellement. L'argent, oh l'argent. Il est en train d'acheter le chef du village et c'est notable. Là, je suis venu te prévenir parce que là, fais très attention de... Tu vas tout arracher. C'est moi qui te dis ça. Ma vie. Hein? Ma vie. C'est parce que je t'aime, hein? Ma vie. Oui. Merci. C'est toi qui seras la vice-présidente du comité d'organisation. Parce que moi-même, je suis le président du comité. Tu m'en vais là-bas. Ah bon? Ne dis pas mon nom là-bas, hein? Oh. Bon, chef. Oui. Je vous demande de m'applaudir bien fort lorsque le président m'appellera. Oh, mon fils, hein? On va le faire. Et il faut crier mon nom. Chaque fois que je me leverai. Et Dieu seul sait combien de fois je vais me lever. Fais mon doigt là-bas. Ouais. C'est la mère, hein? Oh, vraiment. C'est donc ce que tu fais ici. Hein? Mais toi, tu es qui? Payé pour te faire applaudir. Mais tu viens faire quoi ici? Monsieur le secrétaire général. Hein? Ah bon? Monsieur le secrétaire général, qu'est-ce qu'il y a? Mais je parle à ce sale menteur. Mais regarde. Tu es un menteur. Un menteur? Oui, tu mens. Oh, monsieur le secrétaire général. Toi, comme ça, tu peux faire venir le président de la République? Tu peux? Hein? Toi, comme ça, là. Moi, je suis député. Quel député? Député de région. Monsieur un député. Député qui a disparu depuis les élections. On ne voit même pas. Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Monsieur et toi-même, hein? Tu es qui? Tu es qui? Si ce n'est pas à cause de moi, le président ne viendra jamais dans cette région. Toi, menteur. Voilà. Regarde-moi ça. Toi, menteur. Ton président connaît ton père? Il le connaît? Monsieur le secrétaire. Mon père? Oui. Chef. Ouais. Lorsque tu devais te rendre... Mm-hmm. À la réunion des chefs de village ouais. À la capitale. Mmh. Ah. Qui a payé ton transport? C'est toi, mon fils. Alors. Très bien. Oh. Très bien. Oh. Nous y sommes. Mmh. Pour cette réunion, qui t'a informé? C'est toi? Qui est venu la nuit te dire qu'on a besoin de toi à la capitale? Chef. Ouais, ouais. Pendant ce voyage, monsieur le député, ouais. Tu es tombé malade, non? Oui, oh, j'allais mourir. Et qui a payé les frais? Mais c'est toi, Dieu. Alors. C'est toi, mon fils. Chef, chef, hein? Chef. Hein? Pendant ce temps-là, la première de tes épouses était mourante ici. Hein? Qui allait chercher le médecin la nuit? C'est toi. Alors? C'est toi. Chef. Ouais. Chef. Ouais. Lui, il va chercher le médecin. Ouais. Et qui a payé les ordonnances? Hein? Mais c'est toi, mon fils. Hein? Alors. Tu dis quoi? Hey. Tu dis quoi? Monsieur le secrétaire. Méfie-toi, hein. Non, c'est bon. Moi, toi, tu n'es rien. Monsieur, tu n'as rien et tu veux faire le malin. Ton père était qui? Monsieur le député. Moi, mon père? Ton père. Mon père n'était rien. Mais moi, je suis le député de région. Ça va pas chez toi? Quand nous, on luttait pour cette région, ton père était où? Le temps est menaçant. Toi qui me parles aujourd'hui, ton père était où? Bon, c'est bon, monsieur le secrétaire général. Est-ce que tu as de l'argent? Hein? Tu n'as même pas d'argent. C'est bon. Tu dis quoi? C'est avec l'argent du peuple. C'est avec notre argent. C'est à moi que tu fais ça? C'est à moi que tu fais ça? C'est à toi qui fais ça? Monsieur le député. Mais il n'a rien, il n'a rien et il veut faire le malin. Toi, mais tu as qui? Tu as l'argent? Toi, tu as l'argent? Tu as qui? Tu as lutté pour la région là? D'ailleurs, il y a la pluie, c'est pas la peine. Il y a la pluie, il faut pas. D'ailleurs, je n'ai pas affaire à toi. C'est bon. Venez, deux hommes se battent. Tonton, on ne dit pas deux hommes se battent. On dit deux hommes se battent. Ah, se bat, se bat, se bat. Toi, tu connais papier, puis tu es posé ici là. Va là-bas. Chef. Venez. J'ai fait ça pour qu'il parte. Je vais te dire mon secret. Ouais. Tu es vieux, je suis vieux. Ouais. Voilà. Le président qui vient dans la région là, c'est notre seul profit. Donc, fais ce que je te demande de faire. Ok. Comme ça, je mange, tu manges. D'accord. Après, tu passes à la maison. Ouais. Je vais te confier des responsabilités. merci. Mais le député, lui, il ne nous dit pas d'aller chez lui. Mais quand il vient, il nous donne l'argent. Mais toi, tu viens, tu vas... Alors, tu crois que moi, je suis quelqu'un comme ça là? 500 000. Où est-ce qu'il est passé le chauffeur? Va me le chercher. Monsieur le préfet. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Excusez-moi. Hein? Oui. Non, je suis passé pour vous voir, quand je voudrais vous voir. Uh-huh. Et vous partez? Oui, je sortirai. Ah ben, je peux vous parler ici? Bien sûr, allez-y. Ne vous gênez pas. Ah, d'accord, merci.
Je voulais seulement vous dire que vraiment mes félicitations. Ah, merci. Parce que vous travaillez vraiment bien. Merci, madame. Et puis, je voulais dire aussi de faire très attention. Ah. Ouais, ouais. Parce que les élus de chez nous ici, là, ils ne sont pas bons. Ils sont contre vous. Ah. Vous voyez, si le président arrive chez nous ici à Ivoapa, oui. C'est parce que vous travaillez bien. Oui, ça c'est vrai. Alors, ceux-là, ils veulent mettre du sang dans votre tête. Alors ici, venez vous prévenir. Ils veulent faire tout pour qu'on vous affecte. Tu sais ce qu'ils disent là-bas en ville? Non. Ils disent que si le président arrive ici là, ils feront tout pour dire au président, pour dire que vous ne travaillez pas bien, comme ça on va vous affecter. Tu vois tout le bien que vous faites pour les gens. Tu as vu comment les gens se comportent avec vous. Alors faites très attention. J'ai compris. C'est des bandes de clowns, que ce soit madame le maire, monsieur le député, surtout le vieux là, le secrétaire général, avec son père, ils ne sont pas bien. Depuis là, ils font que faire les maraboutages sur votre dos. Ah bon? Oui, ils ne sont pas du tout bien. Alors si vous venez vous prévenir, faites très attention. Et l'arrivée du président là, il faut que vous soyez vigilants. Parce qu'il y a des choses qui ont tourné dans votre dos. Oui. Vous savez ce qui est encore grave? Non. Et même très grave pour vous. Ils disent que si le président arrive ici, ils feront tout pour qu'on vous radie. Ah bon? Oui. Et tout ça, moi, je suis venu vous prévenir parce que moi, je vous aime bien. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais très bien. On a eu à manger une fois ensemble. Ah bon? Alors, c'est pour ça que je suis venu vous prévenir. Donc, faites très attention. Et puis, ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les élus d'ici? On les a élus comme députés pour qu'en fait, ils expliquent ce qui se passe aux villageois, au peuple. C'est ça. Et tous ceux-là, ils sont en ville là-bas. Dès que le président s'en va, ils prennent leur voiture. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais je suis en train de parler. Alors, tu peux disposer. Continue, madame. Et puis, dès que le président va partir là, et tous, ils vont prendre la voiture, ils vont suivre le président. Comme si leur travail là, c'est en ville là-bas. On dirait qu'on les a élus pour travailler là-bas en ville. Donc, monsieur le préfet, pensez à moi. Je pense à le président pour l'organisation. Ah. Je suis très bien. Je peux bien travailler. Faites-moi confiance. Parce que moi, je suis dans le peuple. Ouais. Et ils vivent là-bas. Nous, on est ici. La réalité, c'est nous qui vivons ça. C'est sur le terrain. Voilà. Ça, je le sais. Donc, c'est ce que je voulais venir vous dire. Je peux vous laisser maintenant. Je crois que je vais partir. D'accord. Tout ce que vous venez de dire, oui. Je l'ai retenu. Et je vais être vigilant. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Vous pouvez compter sur moi. À chaque fois qu'il aura quelque chose, je viendrai vous le dire. D'accord. Vous pouvez me faire confiance. D'accord. Je suis comme une tombe. Je ne dirai rien à personne. Même quand les gens seront là, je ferai comme si je ne vous connais pas. Ça, c'est très bien. Et je vous préviens que la porte de mon bureau est grandement ouverte. Merci, monsieur le préfet. Vraiment, merci beaucoup. Bonne journée, madame. Monsieur le préfet, oui. Je vous le jure, il n'y a que moi seul qui suis capable d'organiser la visite du président dans notre région. Même mes adversaires sont d'accord sur ça. Ah bon? Oui. J'en doute fort. Oui. Tous vos adversaires se sont proposés eux-mêmes au poste du président du comité d'organisation. Quoi? Oui. Mais ils sont fous! Ils n'ont pas d'argent? Comment peuvent-ils oser? Mais ça, c'est de la blague, ça. Ah, vous croyez? Vous voyez tout ça? C'est des candidatures. Tous les responsables de la région, administratifs, politiques, associatifs, et j'en passe, tous se sont proposés au poste de président du comité d'organisation. Mais, monsieur le préfet, monsieur le préfet, je vous écoute. Mais j'ai beaucoup fait pour cette région quand même. Sans moi, la région des Ivoapa serait encore une région sous-développée. Ben voilà, peut-être que le temps est venu pour que d'autres compétences s'expriment. Ah, mais monsieur le préfet, mais et tout ce que j'ai fait, ce serait perdu? Ah non, là ça je ne suis pas d'accord. Monsieur le préfet, excusez-moi, la porte ne s'est pas fermée. Oui, lui encore. Veuillez vous asseoir. Ah, merci. Vous cherchez une autre compétence, c'est ça? Eh bien, je suis là. J'ai l'expérience des anciens et la vigueur des jeunes. La conviction, l'honnêteté et la rigueur, ce sont mes principaux atouts. Et n'oubliez pas, monsieur le préfet,
que je suis un militant de première heure. Militant de première heure, militant de première heure. L'heure qui passe ne revient plus. C'est bien pour ça que je propose ma candidature. Bonjour, monsieur le préfet, je vous en prie. C'est qui ça en gros? Pour réussir une mission aussi importante, il faut beaucoup d'imagination. Faire en sorte que la région des Ivoires pas soit rehaussée. C'est donc de sang nouveau dont on a besoin. Et ce sang neuf, c'est moi. Mon petit, tu te crois dans un centre de transfusion sanguine? On parle de la visite du président et toi tu parles de sang. Sang, c'est sang. D'ailleurs, jeune homme, qui es-tu toi? Est-ce que tu as l'argent? Je suis Hassan David. Et contre Goliath, je peux soulever des montagnes. Petit, là tu t'es trompé. Ici il n'y a pas de Goliath. Il n'y a même pas de montagne. Mais il y a des femmes. Et elles vous ont battu aux élections dernières. Alors c'est à moi de présider le comité d'organisation en tant que mère et en tant que femme. Pas question. S'il y a une femme qui doit représenter les femmes, c'est bien moi. Toi encore. Il ne s'agit pas de représenter les femmes. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de mettre une femme à la tête du comité d'organisation. Et moi, en tant que mère et femme, je suis bien indiquée pour représenter valablement les femmes. Oh, tout en tant que mère, en tant que mère, une mère doit avoir des enfants. Ah, peut-être qu'il n'a pas d'enfant. Mais je m'occupe de vos enfants malheureux qui n'ont rien à nous. Toi, ton père, il est là. Silence, madame. Le comité d'organisation de la visite de son Excellence, le président de la République, dans la région des Ivoipa, sera dirigé par... Moi. Mesdames et messieurs, silence. Monsieur le préfet, nous ne sommes pas sur un marché. Ils n'ont pas d'argent. Vous pouvez garder votre argent où il est. Alors, en tout cas, je disais donc, cette personne doit connaître la région, ses difficultés de développement. Cette personne, en fait, doit exprimer toutes les voix des Ivoiriens dans le discours adressé. Vous allez me rendre fou. On m'appelle au téléphone et vous bavardez. Oh, petit silence. Allô? Ah, c'est la présidence. Oui. Oui. Ah bon? D'accord. D'accord. Bien compris. Mesdames et messieurs, la visite de son Excellence, le Président de la République, dans la région des Ivoipa, n'aura plus lieu. Quoi?